On m'a détecté début 2018 une tumeur bénigne à la poitrine et en fait à ce moment-là j'ai eu un énorme déclic sur ce que je mets sur mon corps au quotidien. Salut, moi c'est Justine, j'ai créé Respire et d'après MAD, je gère. Respire, c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle avec comme premier produit un déodorant naturel qu'on a lancé récemment. Moi, depuis le début, je m'étais dit, le souci du déodorant, c'est qu'en fait, c'est un produit qui est utilisé tous les jours mais qui n'est pas du tout sexy. Et je me disais, mais ce serait ouf d'avoir un déodorant qui est Instagrammable. Ça a été incroyable de me dire que mon déo Respire, les gens le prenaient en photo, le postaient sur Instagram et étaient fiers de montrer qu'ils mettaient le déo Respire. Le déodorant, c'est le deuxième produit le plus utilisé chaque jour. Et pourtant, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. J'ai passé en revue toute la liste d'ingrédients qui étaient présents dans mon déo. Je me suis rendu compte, un, que je comprenais rien. Deux, les ingrédients que je tapais sur Google, en fait, sont des ingrédients controversés et qu'il y en a même qui étaient nocifs. Là, je me suis dit, ok, bah, ce déodorant, je vais le créer. Ce déodorant dans lequel j'aurai confiance. Le déodorant qui sera totalement clean et qui sera efficace. On a testé plein de formules différentes, plus d'une vingtaine. J'en ai fait tester à tous mes amis et il y en a même qui m'en ont voulu parce qu'ils partaient en réunion et ils puaient clairement. Mais à force de travailler, on a fini par trouver la formule idéale. Moi au début, j'avais pas du tout les connaissances pharmaceutiques pour lancer un déodorant. Bah, je me suis entourée d'un prestataire en Bretagne qui est chimiste et qui a pu me créer ma formule. Notre mission, c'est d'offrir des produits qui sont totalement sains pour le corps, qui soient faits en France et avec un pack éco-responsable.